Direction Plounérin-Entrégor où Armelle Belaoundé-Gautré nous amène sur la trace des loutres. Discrète, menant une vie nocturne totalement amphibie, n'espérez pas la voir, c'est très rare. Et pourtant, ce mammifère de 80 cm à 1,20 m et qui pèse 10 kg est là, ses crottes en témoignent. Présente en Centre-Bretagne par le passé, elle colonise aujourd'hui le territoire d'Est en Ouest. Le GMB est à son chevet car elle se fait écraser sur les routes. À l'étang neuf à Plounérin, des passages à loutres, appelés loutres au duc, ont été créés pour traverser la Nationale 12 par le dessous. Ça consiste à créer un passage qui est tout le temps hors d'eau. Même en cas de crue, pour que justement la loutre, même si elle rechigne à s'engager parce que le courant est trop fort, etc., elle puisse quand même passer sous la route, mais à sec, quoi. Donc ça peut être des buses en dérivation ou simplement des petites banquettes en bois ou en béton. Quand on visite ces loutroducs, on constate souvent qu'ils sont fréquentés, et puis non seulement par la loutre, mais aussi par tout un tas d'autres mammifères qui laissent des empreintes ou des traces. Donc quand c'est bien fait, c'est fonctionnel. Ouais. La loutre a besoin d'un territoire vital très grand. Elle vit dans les zones humides. L'étang de Plounérin de 16 hectares est un habitat parfait. Ce site classé Natura 2000 de 45 hectares est géré par l'association de la vallée du Léguer pour la communauté de communes de Bégara, propriétaire. L'association est étroitement associée au GMB pour la protection des loutres. Pour les loutres, notamment ici, on a demandé donc l'expertise du GMB pour que les travaux qui sont mis en œuvre, qui sont des travaux hydrauliques et de gestion des habitats, ne portent pas atteinte à la loutre, c'est-à-dire qu'ils nous ont aidés donc notamment à repérer les catiches potentielles pour qu'elles ne soient pas impactées dans le cadre des travaux hydrauliques. C'est ce qu'on vient de faire là cette dernière semaine. Aujourd'hui, les projets d'aménagement routier prennent en compte les loutres au duc, ce qui à terme devrait permettre de limiter cette mortalité animale due à l'homme.